On est là aujourd'hui pour célébrer la Journée mondiale de l'eau, étant donné un thème qui est intéressant, à savoir l'eau et le développement. Et quiconque sait que l'eau, comme on le dit, c'est une source de vie. Mais moi, je dirais que l'eau est la vie, est égale à la vie. Donc, pourquoi je le dis? On est dans un monde où c'est l'eau qui fait tout. Donc, on ne peut pas être dans un milieu où on ne peut pas avoir d'eau. Et quand on n'a pas d'eau, la vie est difficile, et ce qui va aboutir à la mort et tout. Et seulement, c'est pas, l'eau n'a pas d'impact seulement sur les personnes, mais dans tous les êtres vivants qui sont au niveau de la nature, à savoir les personnes, les animaux, les arbres, en passe. Tout un chacun a besoin de cette eau. Parce que nous qui travaillons dans le reboisement, à savoir les activités, écologie et tout, on a besoin de cette eau pour pouvoir ravitailler les arbres que nous plantons, pour que ces arbres puissent devenir un jour quelque chose de bien et que les gens s'en procurent. Donc l'eau est d'une telle tellement a une très grande importance pour la population. Donc il faut que tout un chacun s'implique sur la protection de cette eau, à savoir la manière d'utilisation surtout. Il ne faut pas que nous le gaspillons. Et le constat qui est fait au niveau de ces trois régions, comme vous l'avez si bien demandé, de nos jours, on constate qu'on a tendance à avoir des difficultés pour s'approvisionner de l'eau, parce que ça a été dit depuis hier. Ici, au niveau de la région, tendance, vous avez tantôt à avoir de l'eau le matin, les après-midi, ça ne vient pas la nuit, etc. Donc, tout ça, c'est des problèmes qui sont là et qui sont en train de prendre de l'ampleur. Donc, pour éviter tout ça, il faut que nous, la jeunesse surtout, moi, toujours, je fais appel à la jeunesse parce que je me dis que notre pays doit se terminer aux mains de la jeunesse. Donc, nos parents, nos papas et mamans ont déjà fini. Donc, c'est à nous de prendre la relève générationnelle pour pouvoir mener à bien ce combat. Donc, il faut que nous tous, nous essayons de voir les stratégies à mettre sur pied pour pouvoir arriver à conserver cette eau qui est source de vie, pour pouvoir continuer nos activités que nous menons de nos jours. Oui, je pense que déjà, vous parlez de la Casamance. Si on parle de la Casamance, d'abord, c'est le fleuve Casamance, qui fait qu'aujourd'hui, nous parlons de la Casamance. C'est ce trait d'union-là qui est entre les trois régions de la Casamance. C'est donc une opportunité pour nous, jeunes de Ziguinchor, de venir en tout cas participer, de donner notre point de vue par rapport au fleuve et surtout de partager les expériences que nous vivons. On n'est pas venu en tant qu'expert, on est venu en tant que jeune de la Casamance, en tant que jeune de Ziguinchor pour partager ce qui se passe chez nous par rapport à ce fleuve-là. Pour Kolla, pour moi, il y a beaucoup de facteurs. Parce que à 2 km de Kolla, un peu vers la source, il y a de l'eau. Alors qu'à Kolla, on n'a pas ce sens d'avoir de l'eau qui coule. Donc c'est peut-être un autre problème dit peut-être au comportement de la population, peut-être à l'urbanisation qui est un peu galopante au niveau de nos villes sans maîtrise, et des fois c'est ce qui amène des problèmes au niveau des fleuves. Donc c'est soit une pollution, c'est soit le fait de jeter des ordures au niveau du fleuve, ou bien c'est l'ensablement dû peut-être à l'habitation, parce que quand on habite, on a tendance à couper les arbres. Donc si la pluie tombe, donc forcément si la pluie tombe directement au niveau du sol, ça a tendance à éroder le sol, et c'est ce qui crée un peu le ruissellement vers le fleuve, et ça va un peu ensabler le fleuve. Kolla a la chance d'avoir un fleuve, parce que nous chez nous on a beaucoup de problèmes par rapport au fleuve. C'est vrai, c'est un atout, il y a beaucoup d'avantages d'avoir un fleuve, mais aussi avec toutes les conditions, tous les changements climatiques qui sont là, on a tendance aussi à avoir d'autres problèmes qui sont la salinisation, l'acidification des sols, et ça perturbe un peu l'écosystème, un peu même l'agriculture au niveau de la région de Ziguinchor. Aujourd'hui, quand on parle de changement climatique, quand je parle de changement climatique aujourd'hui, il y a déjà l'avancée de la mer qui est là, il y a aussi la rareté de la pluie qui fait que l'eau douce qui doit quitter la source vers l'Amboussi, cette eau-là n'est pas suffisante. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau des Ziguinchor, si vous regardez un peu la mangrove, cette végétation de mangrove est en train de disparaître parce qu'il y a plus
d'eau salée que d'eau douce. Et la végétation de mangrove a besoin de cette eau douce aussi pour survivre. Ça m'a pris au dépourvu parce que je pensais, j'ai trouvé cette activité et après on m'a interpellé par rapport à ça. Donc, ce que je dis de l'environnement en général dans Kolda, il y a toujours quelque chose qui reste au niveau de la population parce qu'il y a une confusion et le manque de maîtrise des textes de l'État pour pouvoir défendre leur propre environnement. Parce que la véritable confusion, je ne peux pas comprendre. Quand quelqu'un dit que c'est l'État qui doit protéger son environnement, alors que celui qui est le responsable de la destruction de cet environnement, là c'est compliqué. Et aujourd'hui, vous voyez, la journée dont on vit aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau. Maintenant, la journée mondiale de l'eau, quand on voit dans Kolda, ça a été victime à plusieurs facteurs. L'un des facteurs que j'attire l'attention des gens, c'est les programmes qu'il faut réfléchir à long terme. Les barrages dans un fleuve toujours enfreintent le manque de d'eau du côté opposé. Et c'est que le fleuve de Kolda a été victime. L'autre aspect, le manque de conscience de la population qui jette des ordures au niveau du fleuve. L'autre aspect, c'est l'occupation même du lit du fleuve. Donc, il y a ces phénomènes qui sont très importants aujourd'hui, qui sont en train de causer notre problème environnemental. Et puis, ce qui me fait rire, parfois, quand on parle des aléas climatiques, les gens pensent que c'est des choses qui viennent au ciel ou bien qui viennent d'ailleurs, alors que c'est les actes commis par l'homme même dans son propre environnement qui est responsable de ce qu'on parle aujourd'hui d'aléas climatiques. Aléas climatiques, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que le résultat de nos travaux dans l'environnement. Alors, je ne peux pas comprendre aujourd'hui, dans le Sénégal, chaque jour a été partagé par Dieu, pas par les hommes, une chose qui puisse régulariser son environnement. À Kolda, dans la Casamance, c'est le fleuve et la forêt. Et aujourd'hui, l'État même autorise des permis de coupe à la population. C'est la destruction. Mais ce que je ne peux pas comprendre, pendant 20 ans, les gens sont en train de reboiser sur la même superficie terrestre et chaque année, la désertification continue et le désert augmente. Là, il y a problème de suivi. Ça, c'est le contexte de l'État. Et l'autre aspect qu'il faut souligner, la population, il faudrait qu'elle comprenne les déchets qu'ils produisent là d'abord pour rejeter ça dans le fleuve, que c'est eux qui ont consommé ces produits là d'abord. Ce n'est pas la population qu'ils veulent enfreiner. Donc, ils n'ont qu'à essayer de trouver tous les voies et moyens pour gérer d'abord le produit avant d'avoir un dépôt retenu. Parce qu'aujourd'hui, quand un voleur entre dans leur maison, ils ne vont pas dire, on laisse le voleur jusqu'à ce que la gendarmerie vienne ou l'armée vienne. Ils vont régler leur compte directement. Et donc, lorsqu'ils mangent ces fruits-là, ils n'invitent pas les cohabitants. Mais il n'en est pas question que les décès de ces fruits-là, que les populations bénéficient des conséquences négatives de ça. Ça, c'est l'autre aspect. Maintenant, le fleuve de Kolda, c'est un fleuve, à l'époque, c'était entre, si je ne me trompe pas, 60 à 70, je ne sais pas, variétés aquatique. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut retrouver ça? Il y avait de la montée, les autres animaux, on n'en parle pas. C'est entre 60 et 70, je me rappelle pas exactement les chiffres après l'évaluation. Mais aujourd'hui, vous voyez ce fleuve-là. Même une grenouille, tu ne peux pas avoir dans ce fleuve. Donc ça, c'est les conséquences. Moi, ce que j'invite, ce n'est pas seulement à l'État. Parce que quand on parle à l'État, on a confusion à qui suivre. Mais c'est la population d'abord. La première impliquée, c'est la population résidente. Il faut qu'elle sache que la propreté et le fleuve-là ne fait que protéger leur santé et leur longévité. Mais lorsqu'ils ne comprennent pas ça, ils finiront à être dans les hôpitaux, être consultés, transférés jusqu'à Dakar. Ils ne seront jamais guéris parce que c'est l'environnement qui est pourri. Et actuellement, nous vivons. Voyez la commune de Kolda, il y a combien d'asthmatiques. Et pourtant, la santé n'en parle pas de ça. Et c'est lié au fleuve-là. À Kolda, moi qui vous parle, les années 80-83. Mais ça permet, hein? Non, vous n'avez pas la chance à partir du mois d'octobre, novembre, décembre. Non, vous n'allez même pas allumer un ventilateur dans votre bureau à plus forte raison qu'un climatiseur. Vous avez un problème de froid. Et c'est 3 mois ferme. C'est-à-dire qu'on avait envie même de prendre du feu et aller avec le feu pour pouvoir se réchauffer. Mais aujourd'hui, vous voyez, on ne connaît même pas la fraîcheur. Et tout ça, c'est nos conséquences
Dieu a créé, il a terminé, il ne revient plus. Maintenant, c'est une chaîne alimentaire qui est là. Pour que les gens là te disent qu'il y a 40 eaux, il n'y a pas d'eau, il y a 40 eaux. Ça, c'est une, la théorie. Dieu a créé une fois une quantité et cette quantité ne finira jamais et il ne reprendra jamais cette quantité. Maintenant, il a créé une chaîne, mais si cette chaîne-là est interrompue, la circulation est interrompue. C'est à ce moment qu'on vous dit que la nappe phréatique, il n'y a pas d'eau, il y a de... ça, c'est du formalisme. C'est pas une vérité absolue. L'eau là, elle va, elle est souterraine. Elle quitte, elle va, elle est aérienne. Elle revient, elle est souterraine. C'est la chaîne là. Mais lorsque le transporteur de ce phénomène là est arrêté, il n'y aura plus de transformation. Parce que la pluie, c'est quoi? C'est la évaporation et ça puisse de l'eau. Et cette eau là, c'est pas l'eau apparente seulement. C'est les arbres là qui prennent leurs racines, qui pompent la nappe phréatique. À travers leur respiration, ils exjettent au niveau de l'atmosphère. Et cela se concentre pendant des mois. Et ça revient pour la pluie. Maintenant, si vous coupez cet arbre-là, quand vous aurez la pluie, il ne faut pas qu'il nous trompe pour nous dire que l'eau est finie. Si vous voyez toute créature, je vous dis, je défie qui dira le contraire dans ce monde. Toute créature, lieu de déplacement à une goutte d'eau dans l'eau. Ça, c'est impératif. Donc, cette eau-là ne peut pas manquer. Et l'eau, c'est l'essence qui fait circuler un véhicule. Lorsque il n'y a pas d'essence, le véhicule ne circulera pas. Il faut que la population soit consciente de pouvoir gérer leur environnement propre et respecter la flore et la faune. Tout ça, c'est des déficits pour l'eau. Aujourd'hui, le fleuve Casamance que vous voyez là. Mais l'usine de Corticose, c'était au niveau de l'ancien carotière. Mais les salopes quittaient Kolda. Pour Jean-Jour, pour Kolda. Vous voulez aller à Jean-Jour, mais vous n'avez pas les moyens. Vous pensez que c'est vous êtes à Jean-Jour. C'était le cordon ombilical. Mais les barrages en Abbé, les barrages en Abbé, mais ça a fermé la suite de l'eau qui le permettait de faire un dragage. Et fini aussi la faiblesse de la conscience des gens. Parce que moi, on ne peut pas me parler d'un maire sur la destruction de l'environnement. Et moi, je parle d'un peuple pour la destruction de l'environnement. Parce que le maire, là, il est élu par le peuple. Et pour le peuple. Il n'est rien d'autre que le citoyen, même citoyen lambda, que le citoyen qui se dit qu'il a été victime. Mais le citoyen qui a été victime, qui refuse d'être victime, c'est eux qui hébergent les gens pour s'installer dans les fleuves. Tu vois quelqu'un qui s'installe anarchiquement, tu ne déclares pas et tu ne le pousses pas, tu le laisses, tu dis non, non, il a droit. Après, tu veux dire que le maire va venir le gars avoir 20 ans pour l'enlever, mais tu lui crées des problèmes. Pourquoi les gens acceptent de voir ces gens-là s'installer? Nous sommes aujourd'hui à Kolda pour le forum de l'eau en Casamance, FEC. Donc le forum de l'eau en Casamance entre dans le cadre du 9e forum mondial de l'eau au Sénégal. En 97, il y avait Marrakech, c'était le premier forum de l'eau de l'histoire. Et aujourd'hui, nous revenons en Afrique, pour la première fois en Afrique subsaharienne. Donc c'est le forum où tout le monde doit venir discuter de la problématique eau dans le monde. Et des délégations se sont constituées dans les régions du Sénégal pour aller discuter avec le reste du monde. Donc Urgence écologique a été invitée. Nous y sommes. On a eu notre accréditation. Mais nous, nous sommes dit qu'au niveau local, est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de discuter, nous, les populations, ensemble, de cette problématique-là? La société civile, les populations, les autorités administratives, discuter, essayer de voir ensemble c'est quoi même le problème. Beaucoup discuteront autour de la table pour décider à nos places. C'est bien parce que c'est nous qui les avons demandé cela. Mais à un certain moment, il serait bien que l'on prenne ce problème-là à bras le corps. Aujourd'hui, nous sommes actuellement sur le lit du fleuve au niveau du pont Abdoul Diallo. Vous voyez ce que c'est devenu. Mais ceux de Sédiou sont en train de nous dire qu'eux, il y a de la pisciculture, il y a la pêche qui est pratiquée là-bas, il y a le maraîchage. Ceux de Jiguinchoir nous disent la même chose. Ils ont des barrages, ils ont tout. Mais à Kolda, est-ce qu'on est en train de bénéficier de cela? Non. Mais il y a aussi un autre problème. C'est quoi? L'accès à l'eau dans les maisons, l'accès à l'eau potable durablement. Est-ce qu'il ne serait pas bon d'en discuter avec CNO, avec qui l'hydraulique, avec c'est l'ensemble de ces constituants qu'on a appelés pour parler de cela. Après cela, il y a les problèmes qui seront catégorisés, mais des solutions aussi seront proposées. Et ensuite, au finish de tout cela, nous allons avoir une résolution. C'est-à-dire, il y aura un livrable. Qu'est-ce que Kolda a dit?
qu'est-ce que Julien Chore a dit? Qu'est-ce que Sédiou a dit? L'ensemble de cela sera le livrable de la Casamance. On est en train d'aller vers les fonds bleus. Je crois que ce sera la plus grande décision du Forum mondial de l'eau. Ce sera la réussite du Forum. Quand on va lancer ces fonds bleus, Kolda sera prêt déjà pour capter, pour dire que nous, notre problème, c'est ici à Sulouéli, les femmes qui n'ont pas de l'eau. À Sulouéli, des femmes qui ont perdu 3 hectares de bananeraies. Pourquoi? Par manque d'eau. Ici à Afinyam, on a un problème avec notre barrage. Mais donc l'ensemble de ces problèmes-là seront mis à l'échelle et là nous pourrons capitaliser le plus rapidement et essayer de capter ces fonds pour que l'on puisse aller vers zéro. Peut-être que cela sera exagéré, mais c'est ce qui est souhaité, zéro problème d'accès de l'eau en Casamance. On est à l'ère des changements climatiques. Aujourd'hui, on parle de changement climatique. Au moment où on parle, c'est même la grève pour le changement climatique. C'est quoi? C'est ce temps qui n'est plus clément pour nous. Vous voyez la pluviométrie qui n'est plus au rendez-vous. Vous voyez l'assèchement des sols un peu partout. Aujourd'hui, comme je vous le disais, le fleuve Casamance, ici, il y a l'ensablement qui torture aujourd'hui le fleuve. Donc, l'ensemble de ces problèmes-là sont... ce qui est en train de freiner l'accès à l'eau. Et aussi, aujourd'hui, on le disait hier avec nos amis, qu'il y a 54%, l'hydraulique nous dit qu'il y a 54% d'accès à l'eau. C'est-à-dire qu'il y a 46% de la population qui n'ont pas. Mais n'oublions pas, c'est-à-dire avoir le branchement, ça ne veut pas dire avoir de l'eau permanemment à tout moment. Il y a des gens qui ont des branchements, mais qui n'ont pas d'eau. Et leurs statistiques montrent qu'il y a 54% des populations qui ont un branchement. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a de l'eau permanemment à tout moment. Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, il n'y a pas d'eau dans les journées depuis plus d'une semaine. C'est dû à quoi? C'est de cela qu'on est en train de discuter. La nappe phréatique un peu partout qui est polluée. Donc, quelles sont les solutions? Il y a quelque chose que l'on doit faire, c'est-à-dire nous, les populations, d'abord, le changement de comportement. Donc, c'est le changement climatique qui fait cela, mais aussi, on a notre part de responsabilité. Il faut qu'on arrête cela. Et pour aller vers ces résolutions-là, pour aller vers cela, il va falloir qu'il y ait un plaidoyer fort de la société civile, des populations et des autorités, parce que eux seuls, ils ne pourront pas le faire. Par exemple, le fleuve, c'est de la compétence du conseil départemental. Mais est-ce qu'ils ont un budget pour draguer ça? Non, ils ne l'ont pas. La mairie, non. Il va falloir que cela soit une expression de besoin de tout le monde. Il faut que cela soit une voix élevée de tout le monde pour que les partenaires, un peu partout dans le monde, l'État du Sénégal, puisse prendre ça à bras le corps pour qu'on puisse revitaliser le fleuve Casamance, par exemple, et aussi qu'on puisse avoir des extensions d'eau un peu partout dans les 3 régions du Sud.